La vidéo d'aujourd'hui m'a été inspirée par un ami qui me dit j'aimerais que tu nous parles de l'intuition et d'avoir le courage de suivre celle-ci. Car mes plus grands regrets dans la vie me viennent de certaines intuitions que je n'ai pas suivies alors que je savais qu'elles étaient bonnes pour moi. Effectivement, nous avons tendance parfois à écouter des conseils de personnes avisées ou qui ont notre intérêt à cœur, mais ces conseils les concernent elles et ne correspondent pas, ne peuvent pas correspondre à notre personnalité, à nos envies, à toute la complexité que nous représentons. Même nous, parfois, nous avons du mal à nous comprendre. Alors, qui mieux que nous pourrait vraiment savoir ce qui nous va bien, ce qui peut nous faire du bien? Donc, n'hésitez pas à suivre votre intuition. Elle est souvent là pour vous guider vers ce que vous aimez faire, ce que votre corps, ce que votre âme instantanément a envie de faire. Et ça correspond à vos valeurs, ça correspond avec ce que vous aimez, avec qui vous êtes tout au fond de vous. Suivez votre instinct, arrêtez d'écouter souvent des conseils qui ne sont en fait que des raisons de ne pas faire. Mieux vaut vivre avec des remords qu'avec des regrets, vous le connaissez. Et donc vous me voyez peut-être venir, eh ben oui, parce que très bientôt, la fin de la période d'inscription va approcher pour Carcassonne. On n'est plus qu'à quelques jours à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc, si vous avez envie de venir, n'attendez pas. N'attendez pas la prochaine occasion, le prochain séminaire. C'est maintenant, maintenant que vous pouvez vous faire du bien. À bientôt!